Bonjour à tous, ici Psychobilly. Aujourd'hui, je vais vous présenter un rapport de bataille opposant Tonio avec Rask en mignon et Nico alias Red Lion avec Tagroche 2 en Neverblade. Tous les deux joueront en Theme Force sur le Steamroller 2017 en 75 points. Pour les biens de la vidéo, le déploiement a été passé. Donc nous commençons avec le premier tour des minions. Premier tour normal, tout le monde court. Les postes au milieu recevront Fury et le brasseur en bas d'écran recevra Admonition. Et c'est la fin du tour minion. Début du tour Everblight, Rongai s'avance au milieu sous Submerge et sous Starcross et ne possède plus de points de furie. Snapjo le suit avec un point de furie. Petite erreur ici de joueur Blight qui oublie de faire de la furie pour son casseur, son Warlock au prochain tour. Le Seraph s'est avancé pour permettre un placement de 2 de l'Angelus qui s'avance au milieu et prend un tir sur les postes et fait quelques dégâts. Puis le joueur Everblade se positionne très au centre vu qu'il possède quasiment que des Warbeasts. Il pense surtout prendre le centre et contester sans doute sur les ailes. Et deuxième tour mini, sans doute le tour de feat pour Ask. Pour rappel, le feat de Rask, si vous n'êtes pas à 5 pouces des figurines dans la zone de contrôle de Rask, vous ne pouvez pas les cibler par un tir, par une charge ou par un sort. Donc ce qui permet en général un tour de placement judicieux en vue d'un tour de charge ensuite. Donc le joueur mignon a pris des mesures pour envoyer des postes sur Rongai qui est au centre de la troupe là des Everblight en mettant Admonition sur deux postes et espère potentiellement le tomber, mais vu qu'il est sous Starcross et derrière un mur, il va avoir beaucoup de difficultés à le toucher, il va même pas du tout le toucher, donc ça ne va pas marcher. Évidemment, Rask a fité ce tour-ci pour protéger ses troupes. Le Wrestler rentre dans la zone sous Admonition pour commencer à contester la zone, mettre un pied au centre de la table. Et c'est le tour du joueur Everblight. Alors, petite erreur selon moi du joueur mignon, donc le Rask vient de fitter, et je pense qu'il n'a pas pris en compte le fait que Everblight est assez rapide pour pouvoir juste marcher et aller taper ses figurines au corps à corps sans avoir besoin de charger. Donc je pense qu'il a, ce tour-ci, fait une grosse erreur en donnant beaucoup trop de pièces, et la suite de la partie me donnera raison. Là, début du tour, Vrongai commence à taper sur le poste qui est venu le contacter, n'arrive pas à le toucher, il lance Starcross et campe un point de furie. Ensuite, c'est le tour de Grand Papa qui s'avance, qui manifeste Destiny et Animus pour faire avancer le Neraf, et va se charger des deux postes venus contacter l'Angelus et Vrongai. Là, il prend des mesures pour calculer ses coups à l'avance et voir ce qu'il peut faire. Et il décide de fitter.
Donc pour rappel, le feat de Tagroche 2, c'est à la fin de l'activation de toutes les figurines, tous les membres de son battle group vont faire une avance et une frappe de mêlée. Donc là, erreur des deux joueurs, on a le Seraph qui s'est activé pour mettre un flare sur le Wrestler sous Admonition, et il a oublié que bah, sous feat, il pouvait pas le viser s'il n'est pas à 5 pouces. Donc bon, c'est rare. Ce qui va permettre là à Typhon, en visant un poste à 5 pouces de lui, en soufflant, de toucher, grâce à son souffle, le Wrestler de derrière. Donc de le toucher plus facilement sans booster grâce à Flair. Donc là il va le mettre un bon 2 tiers de PV. Donc là, comme prévu, l'Angelus qui est suffisamment rapide marche pour aller attaquer le deuxième Wrestler. Donc le premier ne déclenche pas Admonition. Donc là, une perce armure, un bon tiers de dégâts qui s'en va. Après les attaques, il doit racheter deux attaques, dont une boostée. Donc sous Manifest Destiny, ça fait quand même pas mal de dégâts. Mais le Brasseur survivra. Donc là, c'est l'activation du Neraf. Les deux joueurs se mettent d'accord pour placement du socle. Donc il décide de faire ça et il va déclencher Admonition pour éviter de perdre son deuxième bracelet. Donc le Neraf s'est avancé, va sans doute terminer le premier Wrestler et finir ses attaques sur les postes au centre de la table qui, pour rappel, sont sous Fury. Voilà. Mouvement de sprint du Neraf qui va se positionner devant Tagroche. Et qui reste au contact du poste qui est derrière la maison. Snapjaw s'active, fait de la furie. Je vois pas de token, donc sans doute pas d'animus. Pas beaucoup de tirs en phase, donc pas forcément besoin. La sorceresse s'active, doit souffler sur un poste au milieu. Peut-être aussi une erreur ici, parce que s'il n'était pas à 5 pouces, vous pouvez pas viser le poste. De Fury, Everblade, comme d'habitude. Donc là, il a dû activer toutes ses figurines, donc c'est le mouvement de feat et attaque de feat. Donc tous les beasts de son battle group vont bouger et pouvoir faire une melee attaque. Donc il va pouvoir, comme ça, essayer de nettoyer un peu plus les postes au centre de la table. Et protéger son caster qu'il a fait avancer dans la zone centrale. Le Seraph va contester et il passe la cloque pour le tour mignon. Donc là, je pense que Tonio constate un petit peu les dégâts, voit ce qu'il peut faire avec quand même pas mal de figurines à portée de charge de poste. Malheureusement, tout ça est protégé par Vrongak derrière avec Starcross. Donc avec quasiment que des figurines à 14 de défense, Serpentin, donc ils peuvent pas être mis KO. Donc il va certainement avoir beaucoup de difficultés à nettoyer tout ça. Donc là, la stratégie qu'il a l'air de mettre en place, c'est qu'il veut envoyer le Wrestler sur l'Angelus. Mais avant ça, il va activer son caster pour lui tirer dessus, donc avec son mode de tir paralysie pour pouvoir le toucher plus facilement avec son Wrestler. Par la même occasion, il en profitera pour passer Fury sur les postes en haut de l'écran.
Les gobelins s'activent, placent une nuée devant le caster. Contre Everblade, c'est une stratégie qui paye toujours. Donc là, il envoie son Wrassler sur l'Angelus, qui aura aucune difficulté à tomber l'Angelus à défense 7, même avec un des photos. Donc l'activation du Bull Snapper qui vient contester les deux zones, tout en essayant de rester dans la zone de contrôle de Rask. Activation des boss d'en bas qui vont essayer d'attaquer Snapjo. Entre Kuroko, il devrait se mettre d'accord. Donc il va pouvoir envoyer trois boss dessus. Mais là, on voit la puissance de Vrongaï, c'est que même à défense 12, le dé fantôme, et même avec des relances, il arrivera à faire assez peu de touches sur Snapjaw, donc il fera que très peu de dés. Totem Hunter vient se placer dans l'eau peu profonde, pour potentiellement aller agresser les soutiens d'Overblight au prochain tour. Activation des postes du haut qui vont sans doute aller casser l'objectif et essayer de faire quelques dégâts au Seraph. Donc attaque des crocos qui termine l'objectif. Attaque des quelques crocos sur le Seraph qui font pas assez de... Et fin du tour, Mignon, qui est, je pense, un petit peu blasé du tour. Il n'a pas fait suffisamment de dégâts. Le centre, il a le joueur Everblade a perdu qu'un seul Angelus et a tous les moyens de nettoyer les postes envoyés, les postes du milieu, et de prendre un énorme avantage à l'attrition. Donc Snapjo s'avance et va essayer de nettoyer les postes venus du... Il tapait dessus. Sur des bons jets de dés, en claquant assez peu de furie, il parviendra à les éliminer. Là, la Force Aiken, avec un petit peu de furie, vient essayer de tuer le Totem Hunter et le one-shottera. De solo gratuit à solo gratuit, on s'entend très bien. Activation de Tagrosh 2, donc qui lance Manifest Destiny un peu tard, mais quand même, qui tuera le dernier boss au milieu et le Feralghast devant le dernier Vraslav. Donc là, le Soldier vient essayer de terminer le Wrassler, mais il n'y arrivera pas. Typhon rentre dans la zone et vient tuer le Bull Snapper grâce à deux attaques. Sa troisième attaque sera un souffle sur le poste devant lui. Qu'il ne le tuera pas et il mettra son bonus. Et finalement, le brasseur sous les coups d'une érafe qui viendra engager les gobelins. Rongai s'avance, lance Starcross et campe un point de furie. La Schaefer vient, gère un petit peu la furie sur Typhon. Le Seraph qui était engagé par les postes s'avance et essaie de faire ce qu'il peut contre les postes. Même s'il peut booster
les postes au corps à corps sont quand même assez résistants. Donc il va pouvoir en tuer un seul. La deuxième Forsaken s'avance, qui était plein de fury aussi, et parviendra à tuer aussi un. Le Spell Martyr, qui plein d'audace essaie de se faire Trulg, mais n'y parviendra pas. La sorceresse charge, impacte le dernier boss, et parviendra à le tomber. Fin du tour Blight. Là, clairement, le joueur mignon a pris très 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 cher à l'attrition. Le seul moyen qu'il a de remporter la partie ici, c'est clairement de KTC. Là, ta Grosh est tout au centre de la map et campe 2 points de furie. Alors, au tir, il n'a pas beaucoup d'options. Il n'y a que Rask dans sa liste qui tire et pas beaucoup de solutions pour envoyer des choses au corps à corps contre lui. Donc là, il vérifie les distances de charge des postes du bas pour potentiellement venir sur ta Grosh grâce à un Veil of Mist qui permet de placer et de traverser les figurines. À noter ici qu'après vérification, Veil of Mist permet effectivement de traverser les figurines, mais il n'empêche pas les free strikes, donc théoriquement le joueur mignon s'expose à des free strikes sur ses postes de la part de Typhon. Activation de Rask qui tire pour tuer la Shepherd qui est sur le chemin du boss pour aller taper ta roche et il y parvient. Charge des postes à travers le Veil of Mist. Il ne pourra en envoyer qu'un seul. Et ta Grosh possédant de la furie n'aura pas assez d'attaque pour finir le caster Evermeth. Activation de Trulg qui tue le Spell Martyr. Ensuite, activation des boss duo qui viennent frapper sur le Seraph. Ils parviendront à le tuer. Passe la cloque et abandon du joueur mignon. Merci à tous d'avoir suivi ce rapport de bataille qui a vu Nico l'emporter en Blight contre Mignon. Toute critique étant bonne à prendre, je vous invite à commenter cette vidéo, à dire ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Je suis ouvert à la discussion et sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir.